Je m'appelle Sandra. Aujourd'hui, le challenge, c'est 10 minutes de stretching. Le stretching, ça permet d'étirer le corps, de travailler sur une meilleure posture et de travailler aussi sur l'équilibre. Avant de commencer la séance, je vais vous demander d'être bien chaussé, dans une tenue à l'aise, d'avoir une chaise à proximité parce que tous les exercices qu'on va faire debout peuvent aussi se faire avec la chaise, d'avoir un téléphone ou votre bracelet de téléassistance. Cette séance va se passer en musique. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Nous allons commencer debout, jambes bien écartées. Nous allons lever les bras, inspirer. Essoufflez. On va faire cet exercice trois fois. Levez les bras. Essoufflez. Encore. Levez les bras. Essoufflez. Une dernière fois. Levez les bras. Essoufflez. Nous allons travailler sur les épaules. Rotation des épaules en avant. Cinq fois. Pensez à respirer. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Dans l'autre sens. Très bien. Nous allons lever le bras droit et basculer sur le côté pour étirer. Vous devez sentir l'étirement ici. Et je lâche et je souffle. Et on le fait trois fois. Et souffle. Et plus on y va, plus on augmente l'amplitude. Et la dernière fois. Et souffle. De l'autre côté. Et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Maintenant, les deux bras. Je monte les deux bras et je pousse le plafond. Et je souffle. On va faire cet exercice trois fois. Et je souffle. Très bien, je relâche et je repars. J'inspire, je pousse et je souffle. Et relâche une dernière fois. Je relâche. Très bien. Je me positionne sur le côté pour vous faire voir. J'attrape mes mains dans le dos. Quand j'inspire, je tire mes bras. Quand je souffle, je ramène mes bras. Ça donne ça. Et souffle. Allez, c'est parti, on y va. Encore. Et souffle. Et je souffle. Très bien. On va continuer. Le menton va venir toucher votre poitrine. On va souffler 5 secondes. Très bien, on le refait une seconde fois. Mon menton vient toucher ma poitrine et je respire doucement.
Maintenant, je vais venir tirer mes cervicales. Donc, je commence par la droite. Mon oreille vient toucher mon épaule et je respire. Très bien. Je recontinue de l'autre côté. Parfait. Je vais me positionner sur le côté pour vous faire voir. Je vais faire des rotations sur le côté. J'inspire. Et quand je souffle, je reviens. Et je bascule de l'autre côté. Inspire. Et souffle, reviens. Vous êtes prêts? 5 fois de chaque côté. Inspire et souffle tout doucement. Ce qui compte, c'est l'amplitude des mouvements. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, je prends le temps et souffle. Très bien. Parfait. Très bien, on va étirer. Vous allez prendre votre bras droit, vous allez amener votre main sur votre épaule, vous allez monter votre coude en haut et avec l'autre bras, vous allez tirer en arrière et vous restez dans cette position 5 secondes. Change de bras, vous déroulez tout doucement et on change de bras. Très bien, vous relâchez doucement. Maintenant, vous allez monter vos épaules. J'inspire et je souffle. Vous allez le faire 3 fois. Très bien, on va étirer tout l'avant du bras. Donc je positionne mon bras devant ma poitrine et avec l'autre main, je viens tirer dessus. Vous relâchez et vous faites pareil. Donc je monte mon bras devant ma poitrine et je tire. On continue, je lève mon bras et là je vais venir étirer mes poignets et je respire. Je relâche et je passe à l'autre bras. Maintenant, on va passer sur le bas du corps. On va venir étirer nos mollets. On l'a fait la dernière fois, l'exercice. Plus je recule ma jambe en arrière, plus j'étire mon mollet. Donc, j'ai une jambe de devant qui est fléchie. Vous pouvez vous tenir à la chaise si vous le souhaitez. Ou sinon, je viens étirer ma jambe de derrière. Et j'inspire et je souffle. Je change de jambe, ma jambe de devant est fléchie, ma jambe de derrière, je l'étire. Je respire et je souffle. Je viens étirer mon dos, je viens, les jambes sont un petit peu fléchies et je viens tirer. Si je peux, je peux me tenir avec une chaise.
Et si j'ai un très bon équilibre, j'ouvre mes jambes et je viens essayer de toucher le sol et je relâche le haut de mon dos. Et je m'enroule tout doucement pour me relever. Le dernier exercice, on va le faire doucement. C'est l'amplitude qui compte. Je fais un grand cercle et je viens relâcher devant. Et de l'autre côté. Et je souffle. Une dernière fois. J'inspire. Et je souffle. Je vous remercie pour cette séance. Je vous demande de vous hydrater, de boire un bon verre d'eau et surtout, restez chez vous. À très bientôt pour la prochaine séance. Au revoir!